Laetitia, c'est quoi? Enlève un peu ton caleçon, je vais te parler. Pourquoi? Mais enlève un peu ton caleçon, je vais te parler. Yann, ça ne vous va pas? C'est quoi? Il y a un bouton qui manque dans ta cible. Je dis que tu enlèves un peu ton caleçon, je vais te parler. Non, c'est quoi? J'ai fait quoi? Tu veux parler à qui? Ça fait une semaine dans la maison si tu te comportes bizarrement, je ne dis rien. Ok. Je prépare, tu ne manges pas. Ok. William, je prépare ma nourriture avec tout l'amour du monde, tu ne manges pas. Tu mets le poulet dans le sanga. Laetitia! Où est le problème? Normalement, une femme doit bien préparer pour son mari. Et quand on prépare bien, on doit mettre soit le poulet, soit le poisson, soit la viande à côté. Si je fais le sanga, je mets le poulet dedans. Tu dois même seulement me féliciter. Tu dois être content parce que j'ai préparé avec la viande. Toi, je te plains pourquoi? C'est même quoi le problème, William? Tu laves le poisson avec le savon. William, tu connais à quel point le poisson pue? Le poisson, tu vas au marché, tu prends déjà même dans le congélateur, au marché là-bas, il y a les mouches, tout ça. Tu prends, tu viens à la maison, ça pue dans toute la maison, tu ne respires même plus. Tu veux que je lave ça comment? Il faut que je lave bien avec le savon, je mets même le détergent, comme ça, ça sent bon. Si ça ne sent pas bon, tu vas manger comment? Tu vas dire que non, c'est parce que je ne connais pas bien préparé, non. Pourtant, c'est le poisson qui sentait, j'aurais dû laver avec le savon. J'ai seulement anticipé. Tu mets le parfum dans le riz. Mais William, moi je voulais seulement te faire le riz parfumé. Je suis allée au marché, j'ai acheté le riz. Je viens, je mets dans la marmite, je prépare. Il faut me sentir. Ça ne sent pas bon. Je dis, hey, le gars, il va rentrer, il va commencer à dire que non, ça, ce n'est pas le riz parfumé. J'ai trouvé une solution. Je suis partie, j'ai pris mon parfum Obsession by Karimo. J'ai un peu fait pff, pff, tout ça comme ça là. J'ai tourné, ça a commencé à sentir bon. Chaque jour, je vois à la télé le riz parfumé. Je voulais aussi faire comme ça, non? Parce qu'on a dit le riz parfumé. Et William. Bien sûr que mon riz doit être parfumé comme moi-même je suis parfumée par Obsession by Karimo William. Déjà que quand je mets ça, quand je marche en route et que je tourne mes reins comme ça, là, je marche, je casse la démarche. Je suis belle. Normalement que la nourriture que je prépare doit être aussi belle. Le tout, ce n'est pas d'être belle ou de savoir tourner les reins. Est-ce que tu connais pas le mbongo? Quoi? Le mbongo? La nourriture noire là, William. Tu ne comprends pas avec les écorces. Est-ce que c'est mal? C'est le remède. Je ne prépare pas les choses comme ça. C'est l'anti des sorciers. Parce que c'est noir comme le derrière de la mamie. Non, non, non. Je ne peux pas faire. Je dois préparer ce qui me ressemble. Oui. Tout simplement. Au début, c'est bien. Tu es belle. Tu as les belles formes. Stop. Premièrement, tu as raison. Je suis belle. J'ai les belles formes. Deuxièmement, tu voulais dire quoi? Continue. Quand on marche avec toi, tout le monde nous observe. C'est normal, non, mais... Je suis une carimoise. Tu as déjà vu qui utilise les produits Karimo et qui marche en route, on ne l'observe pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui utilise les produits Karimo qui n'est pas beau ou belle? Hein? Quand on marche en route comme ça, là, ça sent seulement du Karimo. On est beau de la tête jusqu'aux pieds, donc c'est normal. Tu as déjà vu une baffe en les deux. On est d'abord belle à la base. Surtout quand on a un petit sang yabassien. Tout le monde te courtise, chacun veut être ton homme. Ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui a donné. Surtout quand j'utilise mon parfum Obsession. Tu penses qu'on appelle ça Obsession, pourquoi? Parce que quand tu mets, tu obsèdes les gens. Tu marches comme s'ils sont derrière toi. C'est comme ça. Ils sont partout, tout ça pour ton corps. Et ça te rend jaloux. Après quelques mois de relation, on se pose la question. C'était la bonne décision. Pourquoi? Tu te demandes si c'était la bonne décision. Tu regrettes d'être avec moi. Hein? Ça passe le make-up, fais les vidéos TikTok. Mais dans le reste, tu es zéro. Et c'est ça qui choque. Donc, tu m'as passé le make-up TikTok. Et ça te choque. Ok, c'est ce qu'on va voir. Tu as vu ça, non? D'accord. Je vais voir comment tu vas encore me toucher dans cette maison. Ok. B. Oh. B. On va pas arriver là. Tu veux le cadre? Lève ton caleçon, B. Ok. C'est comment? Ça va alors? Oh, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On appuie sur retour. Tac. Zzz, tac. On oublie tout ça. B. On fait la paix alors. B. Ça va. On fait la paix. On ne fait qu'une paix. Laisse-moi. William, ça fait plus d'une semaine que tous mes produits Karimo sont finis. J'étais demandé de renouveler mon stock. Tu refuses. C'est Karimo silky pour mes cheveux. C'est fini. Regarde mes cheveux. Quand tu vois ça, ça te plaît, non? Ça te plaît?
Regarde ma peau, ça fait deux jours que je ne me ronge pas. Regarde, ma gaffe carrément éclair est finie. Tout est fini, mon gommage fabuleuse. Tout est fini, j'ai dit que prends mon whitening scrub. Tout est fini, tout est complètement fini. Mon huile velours, fini, rien, je ne peux me consoler avec rien. Tu penses que c'est normal? Maintenant, comme je ne pouvais pas supporter, j'ai quand même acheté mon parfum Obsession by Karimou. Tu vois comme ça, ça ne t'interpelle pas. Tu es quel genre d'homme même? Quand tu vois comme ça, normalement, tu vas dire, hé, si la fille s'est fait comme ça, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Mais ça ne te dit rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est ça. Karimou extase. Parce qu'avec ça, tu sais que oui, tu es efficace à toute heure, à tout moment, à toute position. Ok. Et moi alors? Moi donc? Même mes bonbons extase, j'ai dit que pour aussi ma part, tu ne veux pas. Tu prends seulement ta part. Tu es égoïste d'abord. Tu es égocentrique. Tu es égocentrique. Tant que je n'ai pas mes produits que je t'ai demandé, j'ai dit que Karimo s'écrit pour mes cheveux. Karimo éclate ma gamme. Tout, même le gommage, tu me donnes aussi le gant magique. Tant que tu n'as pas tout ça, ne m'appelle même plus dans ça. Mais fais comme si on ne se connaît pas. Tu as compris, non? Elle ne m'appelle plus. Hé, hey, les femmes, ok. Few minutes later. Tu peux le faire.